Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le jeudi 14 septembre 2023. Nous recevons ce matin en direct et en exclusivité Monsieur Thierry Loweto. C'est ça, Monsieur Thierry? Monsieur Thierry Loweto. Loweto, voilà. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, chers journalistes. Première intervention sur Congo Live. En tout cas, c'est une bonne chose. Nous vous remercions pour nous avoir convié à cette émission. C'est très important. Nous saluons tous les gens qui suivent Congo Live de partout où ils sont. Nous recevons Thierry en tant que... Je ne sais pas s'il faut que je vous présente comment. Point focal du réseau panafricain de mouvements citoyens. Vous êtes citoyens. Un panafricaniste alors? Un très grand panafricaniste, rapporteur général de l'ONG de défense des droits de l'homme, Sheria. Vous suivez en tout cas de près la situation sécuritaire au Nord Kivu. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir, Monsieur Thierry, par rapport à la situation sécuritaire au Nord Kivu? Nous retenons quoi? Il faut retenir d'un côté qu'il y a des avancées et de l'autre côté qu'il y a des choses à faire. Du côté des avancées, il est très certainement clair que le pays s'est engagé, c'est-à-dire le gouvernement congolais, s'est engagé dans un processus de la montée en puissance de forces de défense et de sécurité. Cela a commencé essentiellement par le recrutement de jeunes qui vont faire partie, n'est-ce pas, de l'armée et notamment de l'équipement de forces de défense et de sécurité. La formation a pris, n'est-ce pas, un diagnostic que nous ne pouvons pas contester. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi qu'à part ce que les Rwandais sont en train de faire en termes d'agression, notre armée monte en puissance du jour au jour. Et cette montée en puissance, c'est sous Tshisekedi apparemment. Cette montée en puissance, c'est sous le président actuel parce qu'il a fait de la sécurité sa priorité. Et donc, en tant qu'observateur de la situation de mon pays, je dois vous dire dorénavant que la montée en puissance de forces de défense et de sécurité de notre pays, c'est une réalité. Et de l'autre côté, c'est vrai, il y a des choses à faire. Et je crois que le gouvernement de notre pays s'est inscrit dans une logique, n'est-ce pas, ce qui n'est pas encore fait, la restauration, n'est-ce pas, de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'avancée de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Je crois que les gouvernements vont s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette logique. Tôt ou tard, nous allons voir cette armée passer à l'offensive et en finir avec l'agresseur. Merci beaucoup, messieurs Thierry. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, je vous rappelle, c'est Congo Live en direct et en exclusivité avec ces braves jeunes du Nord Kivu, s'il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, on va parler état de siège. Très important. L'état de siège aujourd'hui qui est au centre des... Il faut du polémique, il y a plusieurs personnes qui se sont déjà prononcées. Il y a ceux qui soutiennent, il y a ceux qui disent non. Quand je dis soutien, il y a ceux qui soutiennent qui la levée. Il y a d'autres qui disent non, il faut maintenir. Monsieur Thierry, c'est quoi votre position quant à ça? Ma position ne changera jamais parce que c'est une position qui s'inscrit dans le contexte global de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri depuis un certain moment. Et donc l'état de siège n'est pas une magie, c'est une formule stratégique qui avait été une option prise par le président de la République. Et pour moi, j'ai toujours considéré cette mesure comme la seule thérapie qui pourra instaurer la paix et la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui qui contestent cette mesure, mais il faut prendre cette fraction de personnes qui contestent la mesure de l'état de siège comme de politiciens. Et n'est-ce pas, un politicien a toujours dans sa tête d'abord les intérêts qu'il poursuit. Et donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui contestent cette mesure, c'est parce que cette mesure a bloqué leurs privilèges, leur confort. Ils ne sont pas bénéficiaires directs de la dite mesure. Voilà pourquoi il y a des... Il y a des chahutements parce qu'il y a plusieurs vexés. Des gens qui étaient au pouvoir, tout de suite il y a eu une mesure.
Ils avaient des avantages, ils avaient le confort du pouvoir, tous ces goûts-là, ils l'ont perdu tout d'un coup. Et ce sont des gens qui doivent toujours, malgré les bienfaits que l'état des sièges est en train de produire, ce sont des gens, des éléments égarés, qui ne servent pas le pays, qui ne servent pas les intérêts de la République et qui veulent à tout prix revenir dans leur prestige sans voir dans le fond l'objectif pour lequel l'état des sièges avait été instauré. Objectif que nous connaissons et que le gouvernement congolais assume tout le jour, ce que la paix et la sécurité doivent être restaurées, pas seulement au Nord Kivu, mais dans la province de l'Ituri aussi, y compris. Mais en dépit quand même de l'état de siège, cette paix peine à revenir, monsieur Thierry. La restauration de la paix, c'est un processus. Nous sommes un pays qui subit l'agression, et géographiquement, n'est-ce pas? Avec les richesses naturelles que nous avons, le coltan, l'or, la cassiterie, etc., le Congo, l'est de notre pays, est au centre des enjeux et des plusieurs convoitises. Et donc, cette question de la paix doit s'inscrire dans un contexte d'abord national, régional et international. Et donc, du point de vue stratégique, le gouvernement congolais a pris part à toutes ces démarches-là. Les démarches qui sont nationales cette fois-ci par la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, la géographie de notre pays qui nous oblige de coopérer, de coexister avec les autres nations, et puis certainement la dimension internationale de notre coopération avec ces États belliqueux qui vivent, n'est-ce pas, du sang et de la guerre qui sévit dans notre pays. Mais c'est-à-dire, donc, si je comprends bien, ce n'est pas encore reporté de lever cet état de siège. Il n'existe aucune opportunité pour la levée de l'état de siège. Il faut toujours le maintenir. Quand un médecin prescrit un médicament, le médecin doit suivre le malade jusqu'à ce que le malade soit guéri. Et pour le cas de l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, qui connaît très bien la situation, comme un médecin, avait pris précaution de dire: le médicament que j'ai prescrit à la problématique de l'insécurité de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'état de siège. Et le médecin doit suivre cette mesure jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le malade soit guéri. Il ne sera pas stratégique pour le président de la République parce que... Mais il y a des cas où le malade soit, peut mourir, soit... Non, mais dans le cas du Congo, dans le cas de l'Est, le malade ne mourra pas. Et donc, si l'état... Il doit coûter naturellement. Et donc, pour le cas... On n'a pas un délai pour... Le malade sera guéri. Voilà pourquoi il y a d'autres précautions qui sont, n'est-ce pas, prises du côté du médecin, du côté du président de la République, du gouvernement, de notre pays. Il s'agit ici de dire que ceux qui veulent la levée de l'état des sièges sont au service de l'ennemi. Et donc, il y a une grande ceux-là qui nous agressent. Et certains ne sont pas au service de l'ennemi, d'autres ont une fin. Une fin simplement. Et donc, ils brandissent l'alibi de la levée de l'état des sièges, certains, pour revenir dans le cadre de leurs fonctions, et les autres continuer dans cette dynamique d'incivisme que nous trouvons désormais chez certains politiciens, créateurs de groupes armés. Nous avons les cas aujourd'hui de grands politiciens, notabilité de Masisi, qui est derrière le barreau aujourd'hui accusé, mais la liste est longue. Le gouvernement ne peut que prendre de précautions de dire cette mesure doit rester pour boucher d'abord, n'est-ce pas, l'exploitation illégale de ressources naturelles. Et aussi le gouvernement doit penser pour que la mesure réussisse. Le gouverneur, certains documents existent, demandent la relève de certains même commandants secteurs, des officiers qui sont complices de cette hémorragie. Et donc, on doit aussi écouter les autorités à leur niveau pour que la dynamique de la paix soit une réalité. Parce que c'est une dynamique, ce n'est pas la magie. On ne peut pas promettre une paix. Il faut être conséquent lorsqu'on veut la paix et travailler sur les outils qui nécessitent pour que la paix revienne. Et voilà, l'état des sièges est aussi un paramètre, mais il y a d'autres ingrédients qu'il faut ajouter à ces paramètres pour que les choses avancent de mieux en mieux. Le mois dernier, il faut rappeler, M. Thierry, que le gouvernement congolais a appelé à une table ronde qui a pris 3 jours à Kinshasa, la table ronde à laquelle normalement les participants devraient tabler sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle. Jusqu'à présent, nous attendons les derniers mots, la décision du président Tshisekedi. Donc, pour vous, l'état de siège, pas question
que cette mesure soit levée. Il est hors de question. Il n'y a aucune opportunité de la lever. C'est une distraction. C'est une distraction aller dans, ce, dans, dans que un... Qu'est-ce dans... si jamais la mesure elle est levée? Moi, absolument, je ne crains rien, mais je sais que c'est la thérapie. Lorsqu'il y a une thérapie, il faut suivre cette thérapie. La province peut risquer de tomber dans les chaos. Mais naturellement, avec les désordres, l'amateurisme des acteurs politiques, par exemple, qui ont participé à la dite table ronde, vous avez vu comment ils se sont comportés comme de gamins. Au lieu, non mais et puis la mauvaise communication, l'anticipation avec laquelle ils ont coïncidé l'événement de la table ronde. Et tout ce qui n'était pas à l'ordre du jour, disant que non, voilà, certaines commissions se sont supprimées pour la cause de la levée, c'est un mensonge. Le fantasme du retour au pouvoir hante tous ces gens-là et ils ont développé dans leur stratégie des mouvements citoyens acquis à leur cause de la levée qui créent la confusion autour de la communication, des acquis et de la préservation de ce que l'état des sièges a fait. Parce que durant les 2 ans de l'état de siège, il y a des grandes réalisations qui ont été faites. Mesures qui est venue pour la paix, c'est vrai. Il y a des grandes injonctions qu'il faut attendre au niveau du commandant suprême pour dire passer à l'offensive. Mais désormais, il y a des réalisations. Prenons le cas du Nord Kivu, par exemple. Mais les non, on ne peut pas oublier, mais cela prend compte de certaines dimensions. La dimension nationale, la dimension sous-régionale, régionale et internationale. Il faut voir tout ça, toute cette question dans la globalité. Voilà pourquoi l'immaturité de certains politiciens qui tiennent à la levée doit être considérée comme une complaisance devant la question, la problématique de la restauration de la paix à l'Est. Qu'est-ce que vous reprochez à l'administration civile aujourd'hui en congé et qu'est-ce que vous craignez si ces gens revenaient? Moi, je ne vois pas d'abord le gouverneur en sursis être capable de gérer les enjeux actuels. C'est ma conviction. Nous avons vu sous Julien comment le M23 ont marché sur la ville de Goma. Mais après, ils ont marché quand même sur la ville de Goma. L'histoire est têtue. Mais d'ailleurs, Julien, c'est la personne qui ne doit donner aucune leçon par rapport à la gestion de la guerre, par rapport à la question de l'administration de la guerre au Nord Kivu, parce que malheureusement, l'histoire est têtue. Vous reprochez à l'administration civile. Je reproche à l'administration, je l'ai toujours dit, j'ai été victime même d'une pratique anormale avec ces civils-là parce que j'ai dénoncé les aberrations qu'ils ont commises. C'est certainement les civils n'ont pas été pendant leurs 2 ans à la hauteur de certains gens. Prenons le cas infrastructure. Aujourd'hui, il n'y a plus des noms. Il y a des cours d'eau qui jaillissaient dans la ville. Et sous l'état des sièges, ça avance. Il y a des fonctionnaires qui pleuraient tous les jours, qu'ils touchent pas leur salaire, et certains qui avaient la grâce du maître de temps de l'époque, certainement, ils pouvaient toucher un tiers ou 2 tiers de leur salaire. Avec l'administration militaire, il y a toute cette compensation-là. Les trous qui étaient occasionnés par les civils, d'abord sous le cadre du développement des infrastructures, avec l'état des sièges, la ville de Goma est devenue... La ville de Goma est devenue une ville beau à voir sur le plan international. Naturellement, il y a des questions, par exemple, sur le plan développement de la territoriale au niveau local. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Le général Constant Dima, le gouverneur militaire, a fait de grandes choses. Mais c'est pas réaliste, c'est pas médiatisé. Quand vous prenez les avenues qui sont avec le concours vrai de certains partenaires opérateurs économiques qui aident le gouverneur dans la vision globale de la modernité de la province du Nord Kivu, vous sentez que les choses avancent. La commune rurale de Mangina, il y a beaucoup de réalisations. D'accord. Le service national de numérisme. Non, il y a des choses que les autres voient du côté extrême parce que seulement ils ne veulent pas la personne, parce que seulement ils ont perdu leur pouvoir, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a les gens qui veulent la tête du général Ndima? Mais beaucoup. Ils sont nombreux. Mais quand vous prenez les événements... Vous les suivez? Non, mais quand vous prenez les événements
qui se sont passés, qui n'engagent aucune, on va y revenir. Qui n'engage aucune responsabilité de l'autorité provinciale. Mais vous les événements qui se sont passés, qui n'engagent, j'insiste, je le dis, qui n'engagent aucune responsabilité du gouverneur, qui a de la compassion et qui avait besoin de voir la sérénité dans toute démarche qui devait être organisée. Mais vous sentez que les récupérateurs politiques brandissent une certaine incompétence du gouverneur. Il y a de dire qu'il y a une manipulation, alors. C'est événementiel. C'est événementiel, vous comprenez. Donc tout d'un coup, ils se disent, mais c'est une opportunité pour dire, voilà, l'état des sièges a échoué, le gouverneur militaire a échoué, il faut qu'il parte. Mais c'est Thierry, revenons un peu. Un certain temps, même ça se voit si les réseaux sociaux nous suivent trop des attaques, qui donnent l'air comme si ça semble être, comme s'il s'agit des encharnements contre les gouverneurs, on ne sait plus. Est-ce que c'est un aspect politique? Est-ce que c'est un aspect, je m'excuse de le dire entre guillemets, ethnique? Ou bien parce que certainement il faut saluer, c'est sûr, l'état de siège n'a pas répondu favorablement à son objectif ou bien à sa mission. Mais quand même, il faut saluer certaines avancées du côté administration militaire. Mais comment comprendre ces attaques personnelles contre les gouverneurs? Il faut mettre tout ça dans un ensemble commun, c'est-à-dire la question est d'abord ethnique. Elle est aussi politique. Il y a beaucoup de frustrés. Les énergumènes, les gens qui se disent non, c'est notre pouvoir, il faut qu'on récupère notre pouvoir. Tous ces gens-là, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils s'inscrivent dans une logique régionale où ils se disent nous sommes frustrés. Et voilà, d'un côté, ils ne servent pas les intérêts du président de la République. D'ailleurs, ils n'aident pas le président de la République, ces gens-là, entre guillemets, dans sa mission, sa vocation de dire « il faut que je pacifie le Nord qui vous l'Est » et tout simplement ça. Mais ce sont des gens qui sont là, le pouvoir pour le pouvoir, rien que ça. Parce qu'on a l'impression que c'est au Nord qui vous, ça fait beaucoup. Mais bien sûr. Et nous comprenons désormais que c'est une seule communauté qui est derrière ça. Je ne cite pas la communauté, mais je m'inscris aussi dans cette logique-là. Et vous comprenez qu'il y a de l'acharnement tant politique qu'ethnique. On veut reconsidérer les origines du gouverneur militaire pour coller ça à une synergie de dire il est venu prendre ce qui nous appartient, nous devons le faire partir. Pourtant, c'est moyenâgeux, ce n'est pas normal. Les gens doivent réfléchir dans le cadre, n'est-ce pas, d'aider le chef de l'État à stabiliser la situation. On a l'impression aujourd'hui qu'on ne parle plus qu'il faut la levée de l'état de siège. On parle actuellement des changements à la tête de la province du général Ndima. Qui sont ces gens qui veulent la tête du général Ndima? Mais c'est tout ça. Ça revient à tout l'argumentaire que je viens de fournir désormais. Pourtant, moi je veux vous dire, le gouverneur militaire du Nord Kivu pendant 2 ans, il a fait des choses que Paluku n'a pas fait durant... Le gouverneur Constant Ndima a fait des choses que Paluku n'a pas fait durant 12 ou 13 ans. Et d'ailleurs, a effacé l'histoire un peu chaotique du gouverneur en sursis. Parce que d'ailleurs, lui, il est vide sur la scène. Parce qu'en tout cas, si on peut parler de la rhétorique du bilan et de la gestion de civils qui étaient avant l'état des sièges, c'est pathétique de dire que ce genre réussit pendant qu'absolument... Sur le plan global de leur gestion, c'est méprisable. Ils n'ont absolument rien fait pour cette population. Je n'exagère pas et je pèse mes mots. Paluku, s'il vous plaît, sous Paluku, on a connu les ADF qui sont là également pendant l'administration militaire. Sous Paluku, on a connu les M23. Et aujourd'hui, les M23, ils sont là. Qu'est-ce qui est meilleur, monsieur Thierry? Mais les ADF... On doit inclure d'abord la question... De ZADF, on doit l'inclure à la bonne volonté aussi des notables de ce coin-là. Mais il y a les militaires qui sont là, qui peuvent... Mais pourquoi ils ne veulent pas aider les militaires à finir cette question? Ça inclut aussi parce que c'est leur coin.
Ils doivent Non, coopérer. c'est le Congo. Mais ils doivent C'est le coopérer. Congo Mais Belge. c'est leur coin. Ils doivent coopérer. Donc Sans alors, pour, pour sans, sans les pour, notables sans de pour, collabos pour ne sans pas pour, sans pour faciliter autant. Ils ne facilitent non pas pas la tâche. faciliter les militaires. Dit-on, ils ne facilitent pas. Parce que les militaires, la coordination des opérations contre le ZADF évolue certainement très bien. Alors, il faut une coordination de bonne volonté. Et ça inclut le leadership de gens de cette contrée-là qui doivent, n'est-ce pas, au niveau de la base, au niveau national, au niveau intercommunautaire, de pouvoir manifester leur intérêt à mettre fin à D'accord. cette diversion. Moi, j'appelle ça diversion de ZADF. Merci Thierry, nous sommes presque à la fin de cet entretien. On va encore prendre, je crois, 2 ou 3 minutes comme ça, où on va, parce qu'on va pas finir cette émission sans pas avoir fait allusion à l'actualité qui domine la province. Et cette actualité reste, et la province reste dominée, voilà, pardon, par l'actualité liée à l'événement du 30 août dernier, où nous avons participé, ou bien nous avions vécu une répression pour certains. Il y a d'autres, il y a certains qui disent tuerie, d'autres disent carnage. Moi, je préfère utiliser le terme répression qui a conduit à une dizaine de morts. Aujourd'hui, on parle, selon le gouvernement congolais, d'une cinquantaine de personnes tuées. Il y a, selon la société civile, qui parle d'une centaine, ça dépend maintenant. Le gouverneur, le général Costa Ndima a été appelé à Kinshasa. Aujourd'hui, à Goma, il y a un procès qui est en cours. On a ouvert un procès en flagrance contre certains militaires qui comparaissent à la cour militaire du Nord Kivu, à Goma. Alors, la question, monsieur Thierry, aujourd'hui, le gouverneur à Kinshasa, il y a certaines voix qui s'élèvent que le gouverneur revienne en province. Il y a d'autres voix qui se sont levées pour dire non, le gouverneur doit être arrêté aussi, il doit comparaître aussi parce qu'il était gouverneur en même temps, commandant des opérations. En un mot, qui est coupable dans cette affaire? Je ne vais pas revenir dans le détail, parce que ça sera extrême de revenir dans le détail, mais je dis, je fais confiance comme républicain, comme Congolais, à la justice de mon pays. Nous avons, j'ai joint d'ailleurs dans ces événements mes compassions Famille des aux victimes. familles de victimes, parce Oui. que c'est vrai, il y a eu d'un côté un dérapage, Oui. mais qui n'engage pas la responsabilité de l'autorité provinciale. Qui avait pris toutes les dispositions d'abord en interdisant la manifestation qui a été forcée et il a pris en ce moment-là toutes les dispositions qui étaient utiles pour l'encadrement de manifestants. Alors, le dérapage qui a été commis, l'unité qui n'est pas dans son ensemble responsable de ça, donc C'est la date républicaine. les ouais, mais voilà, donc les officiers qui ont fait des égarements sont devant la justice. Nous faisons confiance à notre justice qui continue les procès, va établir leurs responsabilités, pas seulement du côté de l'armée, de toutes parts. Parce Et aussi que, des services de... de toutes parts, du côté même de la secte et du côté de l'armée. Parce qu'on ne peut pas encourager ces désordres-là. L'État doit prendre ses responsabilités pour éviter Qu'est-ce que vous reprochez à la que secte? de tels événements n'arrivent. Poser la question à l'histoire de Fizi. Moi, je ne veux pas revenir dans le détail parce que le récidiviste est arrivé ici et il a endoctriné la jeunesse et tout ce qui est arrivé est arrivé. D'accord. Donc, la responsabilité n'est pas seulement du côté le dérapage qui a été fait par l'armée, mais partout. Et puis, comme ça n'engage aucune responsabilité, D'accord. comme ça n'engage aucune responsabilité Oui. du gouverneur militaire. Le Pour gouverneur finir. militaire, comme de la pratique normale des institutions, Merci. de la hiérarchie, Merci Thierry. de rappeler les officiels dans le cas d'une crise, de comprendre avec eux ce qui s'est passé. Donc nous ne cessons de dire, le gouvernement, sans délai, doit prendre des dispositions utiles D'accord. pour que le gouverneur Merci. militaire rentre dans la ville de Goma et poursuivre sa mission. Sur Il votre a position, d'accord. vocation à pacifier selon Poursuivre la vision du la chef de l'État. décharge présidentielle qu'il assume en province. La pacification est une nécessité et lui est à la tête de cette mission. Il doit revenir ici en tant que
L'homme qui fait peur au Rwanda, l'homme de la situation, l'homme d'ailleurs qui peut À quoi il fait peur au qui Rwanda? fait peur à tous ces officiers mafieux, revenir ici et poursuivre sa mission qui est celle de la pacification de l'Est de la République de la province du Nord Kivu. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci Thierry d'avoir été là. Merci mon cher frère. Je rappelle que vous êtes l'analyste. Je suis défenseur de droits. Défenseur de droits humains. Voilà, vous vivez à Goma, effectivement, c'est ça. Naturellement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé en direct et en exclusivité ces Congo Live. Thierry, en tout cas, merci pour votre analyse. Je sais qu'il y a assez de matière, mais n'avons pas assez dit. Peut-être on aura l'occasion de vous inviter pour donner votre analyse, parce qu'il y a des révélations que vous venez de donner ici que les gens ne savent pas, malheureusement, ou je ne sais pas comment dire. Il y a d'autres médias ou certains médias qui ne relayent pas certaines vérités ou bien certaines réalisations, comme vous venez de le dire, du gouverneur Constant Dima ou alors de l'état de siège. Mesdames et messieurs, merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. C'est un plaisir, merci. Merci, bye.